J'espère que j'ai assez de place sur le disque dur pour les VOD. Bon, on y va! On essaye de terminer la première année aujourd'hui. On est le 15 d'hiver, ouais, le 15 d'hiver, ça va le faire, ouais. Ça va le faire. Mais avant, évidemment, on n'oublie pas que à chaque stream Star du Valais, on fait tourner la roue des persos. Qu'est-ce que c'est la roue des persos? C'est tout simplement une roue avec tous les personnages du jeu. Et du coup, le personnage qui sera choisi sera le personnage à qui je devrais faire des cadeaux pour augmenter l'amitié. Bien sûr. Hop, elle est là. On va lancer la roue. C'est parti. Qui sera le revainqueur de cadeaux? Ça sera... ce sera Alex. C'est qui Alex? Nous avons un gagnant. C'est qui Alex? Je sais même plus qui c'est. Quel enfer! Eh ben on fera des cadeaux Alex. Ah oui la macro. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ah putain, heureusement que vous êtes là. Hein. Bien vu la macro. Le blond. Ah ouais, c'est ce gars-là. Oh putain. Il aime quoi lui? Le mercredi après-midi, tu serais pas ou juste pour rien de prévu? J'ai pas d'idée pour l'instant. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'idée de stream mercredi après-midi, c'est juste ça. Ah non, bah, tu sais, moi je stream tous les jours. Hein. Si vraiment il y a un jour où je stream pas, ce sera précisé dans le planning, mais sinon je stream tous les jours. C'est juste que pour l'instant, j'avoue que j'ai pas forcément d'idée précise. La vidéo de Guil était incroyable. Ouais, elle était cool, mais après, j'ai trouvé que la game qu'on a fait était pas si folle que ça. Bon, après, c'est Guil qui a fait la vidéo, moi, c'est pas moi. Hein, si Guil l'a trouvé cool, c'est parfait. Mais moi, je trouvais que ça manquait un petit peu d'action. Mais si les gens ont kiffé et que ça s'est bien passé, franchement, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Alors. Bonjour, petit chien. Alors, objectif avant qu'on arrive à la fin. Alors, déjà, c'est qu'on va continuer à améliorer l'arrosoir jusqu'au bout. Donc, demain, on pourra le passer en or. J'ai plus de thunes par contre. Donc, il va falloir faire du pognon. Faudrait que je prépare mes champs. Sachant qu'il faudra que je fasse d'autres arroseurs automatiques. Puisque voilà. On a agrandi un peu les champs. Tac, 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 tac. J'ai un peu de bordel hein, quand même. Hein. On va pouvoir ranger tout ça. Parfait. Salut Nyrix. Bah, ça va tranquille. Hein. Ça game tranquille. Hop. Mais ouais, en soi là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Faudrait que je m'occupe des poissons aussi. Et qu'on commence peut-être à ajouter d'autres bassins à poissons. Mais bon, c'est encore une fois un problème de pognon après. Qu'est-ce qu'ils veulent les petits gars? Ah oui, eux c'est une étoile séchée. Et eux, c'est 3 omnigéodes, d'accord. Est-ce qu'ils m'ont pas produit des étoiles? Ah nice, ils m'en ont produit. Cool. Bah cadeau. Let's go. Et du coup, je peux en amener un à Gunther en même temps. Oh, j'ai pas. Faut que je mette le péteur automatique. C'est vrai que j'avais oublié de mettre le péteur automatique. Grande machine qui va permettre de faire des câlins automatiquement aux animaux et du coup de pas avoir à m'en inquiéter. Et ça, c'est Game Breaker. Parce qu'en plus, dans la maison, j'ai mis un récolteur automatique qui ramasse les œufs, plus une machine à mayonnaise qui fait la mayonnaise directe, plus un coffre. D'ailleurs, ah mais du coup oui. Ah oui d'accord, en fait ça récolte ça, s'il n'y a pas de place dans la machine, ça met dans le coffre. Ah putain, c'est intéressant. Et on va mettre ça là. Et on va leur mettre... Ah par contre, il faut que j'en mette à bouffer. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'amélioration grand max qui remplit automatiquement le blé. Ce que Robin est en train de faire. Ça va Robin? J'ai entendu des bruits étranges la nuit dernière, quand je me suis arrivé ce matin, j'ai trouvé le pont de la carrière complètement réparé. C'est un miracle, un super travail de menuiserie. C'est vrai que moi j'ai bien payé quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, ce soir il y a un UHC Panini, Nyrix. Orga par Guillaume, justement. Et j'ai appris ça hier. Du coup, bah, cool. Cool, cool, cool. Mais en vrai, c'est bien. C'est la game. Un UHC quoi? Panini. C'est comme les cartes à collectionner. Parce que Guil a eu un partenariat avec eux et du coup, ils ont fait un mode de jeu UHC Panini. Et vous verrez, franchement c'est le mode de jeu est vraiment ultra cool, no joke. No joke, le mode de jeu est vraiment, vraiment cool. Et ce que j'aime bien, c'est que ça apporte une nouvelle dimension à l'UHC. Qui était un peu en train de tourner en rond et de ressembler à plus ressembler à grand chose.
Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Mais attends, mais y a pas de seigneur ici. Merde. On va dégager cet arbre. Hein. Parce que le ménage est plus fun. Ouais, c'est ça. Ça donne plus d'intérêt. C'est pour ça que c'est cool. Mais après, pour le prochain Manon, par contre, faudra qu'on trouve des strats à faire. Ou alors même, on fait un Manhunt où c'est Gil contre moi et Martin, par exemple. Après, vu qu'on se débrouille, après, ça peut être compliqué pour lui, mais... Mais il y a moyen que ça soit intéressant aussi. Faut qu'on voit. Après, c'est le concept de Gil, hein. Je vais pas m'incruster comme ça, évidemment. Mais c'est cool. La communauté UHC s'épuise. Bah, c'est pas que ça s'épuise, c'est que c'est un... C'est... Le mode UHC, ça fait... 5-6 ans que c'est la même chose. Donc forcément, au bout d'un moment, bah... T'as que les ultra fans qui sont encore là. Sinon, bah les autres, bah ils sont partis, ils font autre chose. Après, c'est pas que l'UHC, hein, c'est Minecraft en général hein, qui s'est vraiment, vraiment calmé. C'est pas juste les UHC. Hein. Minecraft en général, c'est vraiment calmé. Hein. C'était, il y aura peut-être la hype avec les cités. Et ouais, dans la globalité, les... Minecraft en général, c'est beaucoup calmé quoi. J'ai les vidéos, mais sinon tu joues quasiment plus. Ouais, bah je comprends bien. On va donner ça au musée. Allez, ça sera mieux que rien. Ceux qui a terrassé le dragon, je crois. Ouais, tout à fait. J'ai eu la bonne idée de me mettre en hauteur, comme ça je me faisais pas attaquer. Et puis bah, nickel. Ça a fonctionné. Oui, j'ai une quête des temps. Oui, il faut que je leur donne des omnigéodes. Mais je crois pas avoir 3 omnigéodes, c'est un peu le problème. Déjà, allons donner ça au musée. Comme ça, au moins, on avance. Mais j'ai toujours pas la clé des égouts. Ah, mais attends, on m'avait dit que la clé des égouts, c'était peut-être pas la même chose dans le mode pack. Je sais pas, on va voir. Ah quoi, Among Us avec... Bah, Among Us, j'ai jamais réellement eu l'envie d'y jouer, donc... C'est pas dit. C'est tout, même pas. Quel enfer. Pourtant j'ai donné tellement. Il y a une autre spéciale à côté de la carrière aussi. C'était pas dans le jeu de base ça. Il me semblait que la grotte dans à côté de la carrière c'était normal, non? D'abord je savais pas. Non t'inquiète. Ah oui la grotte c'est pour avoir la faux en or, c'est vrai. Oui tout à fait. Putain vache, ça m'est revenu d'un coup. Bon, on va aller chercher. Hop. C'est vrai qu'il y a, c'est une petite caverne pour avoir la faux en or. C'est vrai ça. C'est vrai. J'avais oublié ce détail avec les grottes avec les crânes qui se baladent. Bah oui. Oui, dans le jeu de base, oui. Tout à fait. Mais j'avais complètement zappé, tu vois. En même temps, cette grotte, tu y vas une fois, tu récupères ta récompense et tu pars. Voilà. On voit. Je le prends. Hein. Donc c'est peuplé par contre. Combien d'heures de jeu sur cette partie? C'est mon 7e stream dessus. Je crois. Donc on doit être à... Sachant que mes streams durent 5 heures en général, on est à 35 heures. 30 heures, hein, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Oh! Oh quoi? Y'a Vampirique dessus? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, mais on peut avoir des armes enchantées direct? Mais qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Parce que le vampirisme, c'est un enchantement, mais c'est un truc qu'on a genre. Bien plus tard. Hein. Oh, de la résine de chêne, ça c'est gentil ça. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des armes avec des enchantes direct. C'est pété. Surtout avec de la bouffe. Chance pour loot les sucettes sur les têtes volantes. Oh, ah, je connaissais pas cette strat. Intéressant. Vous m'intéressez.
Vous m'intéressez avec cette strat. Nice, on y est. Et du coup, on récupère la faux d'or. Qui, si je dis pas de conneries, a un boost. Donne un boost sur les objets récupérés quand tu les tapes avec la faux. Genre par exemple, le blé, tu récupères. T'as un bonus dessus. Les mauvaises herbes que tu peux couper. T'as un boost, t'as plus de chances d'en avoir. C'est pas mal. C'est quoi son mode pack? Bah, c'est Stardew Expanded. C'est Stardew Expanded. Après, si tu fais point d'exclamation mode, t'auras le détail des modes que j'ai en plus. Tout simplement. C'est vrai que la faux en or, c'est pratique. C'est compté comme une arme, la faux en or? Enfin, la faux? Alors ça... C'est étonnant. Mais en fait, en gros, c'est une amélioration de la faux de base. Mais sans être passé par Clint, en gros. De dégâts, ouais, mais je pensais pas que ça allait la catégoriser comme étant une arme, quand même, tu vois. Pour moi, ça améliorait rien du tout. Mais bon, au moins on a récupéré, c'est une bonne chose. C'est vrai que j'avais complètement zappé l'existence de ce truc. Bah, c'est marrant, ça, dis donc. Je peux y aller? Non, je peux pas y aller. Faudrait que je vienne ici avec des bombes pour tout tabasse, hein. Ce sera plus pratique, hein. Le marché nocturne est maintenant ouvert. Ah putain, c'est vrai, le marché nocturne. Ouais, mais j'ai pas de thunes. Enfin, j'ai pas beaucoup de thunes et la thune que j'ai, je dois la garder pour améliorer des trucs. Ah, ah, je pouvais sortir en appuyant sur la... Ok, bah my bad. Je savais pas. Bah go à la ville et puis on va aller au marché nocturne alors. Sachant qu'au marché nocturne, si je dis pas de bêtises, on peut pêcher des poissons uniquement pêchables à ce moment-là. Notamment le blobfish, qui sera très pratique. Et peut-être d'autres choses avec le modpack du coup. Pour des raisons inconnues, la population de perches est en surrendement, machin, ok. J'aimerais fabriquer un nouveau style de bois, mais j'aurais besoin de 80 bois durs. Ah, tout ça, oui, non, c'est pour avoir un lit spécial. Ça, bon, ouais, ça par contre, oui. Ça peut se faire. Ouais, dans le sous-marin, ouais. Et ben, on va récupérer les poissons uniques, hein, puis après, on les mettra dans des bassins de toute façon. Tout ce qui est poisson unique, de toute façon, on garde pour... Oh, Andy! Pierre refuse toujours de vendre mes récoltes dans son magasin et se demande pourquoi je n'y achète jamais rien. C'est normal, t'es chez Joja, mon pote. Joja! Tous ensemble pour Joja. On lève tous les mains pour Joja. Joja. Ah oui, lui, c'est pour un TP. Bonjour, madame. En ressort de qualité à 2200, bah non, hein, non. Un gâteau à l'érable. Quoi? Putain, c'est trop fort. Putain, c'est fort, ouais. C'est bon taille de collection, bien sûr, le Grand Café. Bon, elle vaut rien de passionnant, quand même. Hein. Pierre tombale, structure, machin, graines de panais. C'est vrai que c'est... Ah, elle te vend les graines de printemps, genre. Oh, intéressant, ouais. Et bon, moi je vais chez Joja, ils ont déjà tout. Ah oui, il y a ça, mais je sais plus ce que je dois y faire pour ça. Il faut que je reproduise une musique, mais... T'as joué le supermarché Joja? Oui, parce que j'avais déjà fait une partie où j'avais fait le centre communautaire. Et du coup, celle-là, je fais marcher Joja, c'est normal. Du coup, vous avez complètement give up la saison Apex. Non, Neric, c'est parce que c'est juste que... J'avais oublié ce détail. C'est juste que Martin joue avec Fatou. Fatou est en plate. Moi, je ne peux plus jouer avec eux, donc je ne joue plus avec eux. Nerix. Enfin, je peux plus jouer avec eux. Du coup, il joue avec Freedom, qui lui a le rang. Mais jouer solo en ranked, ça m'intéresse pas, moi. Oui, c'est ça. C'est soit un mini jeu, soit le secret, mais je les ai plus, ouais. Ouais. Allez, au revoir.
Oui, c'est un code à mettre, ouais, mais je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore, donc dommage pour moi. Mais j'ai même pas encore débloqué l'accès aux notes, en fait. Un célèbre peintre de Houdini. Il a été voir cette toile pour le mille de ça, mais non. Non. Lui, il vend des décorations, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. Bah, je m'en fous, du coup. Elle vend un petit kawa. Merci pour le kawa. Quelle animation de fou. Je fais une deuxième année sur le jeu. Ah, bien sûr. J'en ferai peut-être même 3. Je pense que j'en ferai 3, voire 4. Bonjour, monsieur. Oui, vous voulez faire un tour pour la pêche profonde? Ça vous coûtera 1000 balles. Ouais. Donc, Blobfish, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas une méduse? Ou un calamar des fonds, justement? Je crois qu'il y a ça. Il doit y avoir un calamar des fonds marins, un truc comme ça. C'est l'hiver, normalement, les notes secrètes. C'est une chance de les déclencher quand on rentre dans une portion de la carte. D'accord. Bah, écoute. Est-ce qu'il faut pas que je fasse la quête de la statue? Je donnerais pas trop, ouais. Oh, le timing est bon. Ah, la musique est folle ici, j'avais oublié. La musique est folle dans le sous-marin. Non mais par contre... par contre, faut arrêter les conneries là. Oh le bâtard. C'est la tour de déclenchement. Bah c'est long. Ah les poissons ils sont ultra vénères. Les poissons ils sont ultra vénères bordel. Bon si je les ai pas ce soir c'est pas grave. Il y a encore 2 soirs je crois. Je me préparerai au pire. Tu joues à ce jeu sur quoi? Sur Steam ouais. Sur Steam. Et le jeu coûte 14 ou 15 euros. Donc c'est vraiment pas un jeu cher. Après il est disponible sur Switch. Et sur d'autres plateformes probablement. Mais je t'avoue que je les connais pas toutes. Ah. Ah un peu de facilité merci. Du coup ça peut être un gros poisson de... Voilà c'est un concombre de mer. Et sur Game Pass. Ah oui c'est vrai que c'est sur Game Pass. C'est vrai ça. Oh le bâtard. Il va y avoir un poisson custom d'Expanded là-dedans. Ah oui, il y a les poissons espions aussi, c'est vrai. Les fameux poissons espions. C'est vrai. Au moins, ce qui est bien, c'est que je me fais un stock d'algues vertes. Ce qui me sera très pratique pour fabriquer des bassins à poissons. Donc en vrai... Ah, la musique est folle ici, en par contre. Hein. No joke, hein. Hop là. Poisson espion. Level up. En pêche. Ah, cool, les appâts. Oh, bon bruit de moto dans la rue là. Ah. Ouais, il commence à faire nuit. Il commence à faire tard. Je vais te revoir sur Apex. Bah ouais mais j'ai personne avec qui jouer actuellement et le soir je t'avoue que j'aime bien jouer de chill quoi. De toute façon faudrait que j'organise une après-midi avec Martin, pourquoi pas mais... Tiens par Martin j'ai pas grand monde avec qui jouer quoi. Martin, Audouino et encore. Faut que ce soit dispo quoi. Oh bah non je l'avais déjà eu la poupée ancienne man. T'es en mode oh trop bien, bah non je l'ai déjà eu. Sinon sur Apex, il faudrait que je me remotive à jouer en solo, mais j'avoue que j'ai pas trop la motivation à thème. C'est le Blobfish, mesdames et messieurs, le Blobfish, let's go! Voilà! Un des poissons les plus rares du jeu, bien sûr. Cette étrange créature flotte au-dessus des fonds océaniques et consomme tout ce qu'il mange sur son passage, bien sûr. Nice! Eh bah ben, ce sera un bassin à poissons ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres poissons custom? C'est ma dernière prise parce qu'après faut que je me barre. Oh, attends mais non. Bah non faut que je me barre maintenant. Parce qu'en fait faut compter la remontée.
Parce que vous voyez, en fait, on remonte, mais ça consomme du temps, en fait. Donc non, faut que je me barre maintenant. Oh merde. Heureusement qu'il y a un mec qui vend des TP, des totems de TP. Ouh, ça va être compliqué cette histoire. Mais du coup, oui, le Blobfish qui est un des poissons rares du jeu. Ouais, non, mais le Blobfish est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Oh, t'es plus personne. Hein. Si je mets mes messages, je peux vous l'envoyer chez vous. Bah ouais, il faut. Hein. Je suis obligé de payer vu l'heure là, j'ai pas le choix. Hein. Y'a tellement, tellement de travail encore dans cette putain de ferme. Faut que je fasse un deuxième silo pour avoir plus de blé. Faut que je termine la déco. Un enfer. Un enfer. Oh, j'ai pas pris mon cola du matin. Je vais te prendre mon cola. Let's go. Niveau 9, pudding de mer, pudding de mousse de mer et un aimant bien sûr. C'est ça que j'avais bien... Oh, ça va, ça va. C'est gentil, ça marque, oui, c'est gentil. Ça fait plaisir. L'arrosoir est prêt. Oh, le col, un petit cola pour démarrer la journée. Mmh, du bon sucre dans mes veines. Ok. Alors attends, on va déposer le Blobfish. Bon, du coup, j'ai 3 poissons qui ont besoin de bassin. Mais je n'ai que 13 000 balles. Et j'aimerais bien améliorer l'arrosoir. Mais du coup... oh putain, c'est un enfer. Ça va être compliqué cette histoire. Ça va être compliqué. Il va falloir que je vende des trucs. Faut que je fasse du pognon là. Ah, les betteraves, attends. Les betteraves, je sais plus quand je les ai plantées, les betteraves. Je sais plus quand je les ai plantées. Vas-y, go vendre ça. C'est vrai que ça se vend bien en plus, les poissons espions. Après, je crois que dans les bassins, c'est pas très intéressant. Mais après, ça se... J'en choperai soir, de toute façon. C'est vrai que je pourrais prendre le stock et aller les vendre à la guilde. Ouais, c'est pas con. Ouais. Et là, j'avoue qu'on est un peu dans un moment de crise. Il faudrait que je me fasse de la thune. Ça, c'est pas ça qui va m'aider. Ça, après, ça peut se vendre à 16 000. Ah, j'ai plus de charbon. J'en ai du charbon, là. Ouais. Nice. Je vais aller voir dans la serre, justement, où ça en est, ouais. Salut, les loups. J'ai fait les bassins d'esturgeon, ouais, tout à fait. Là pour l'instant j'ai esturgeon, grand concombre de mer, saumon et c'est tout, je crois. C'est demain les betteraves, ok. Donc demain on a les betteraves à récup, très bien. Et du coup demain faudrait que je pense à mettre autre chose du coup. Ah putain, il va falloir que j'achète d'autres graines. Hein. Ça va être compliqué cette histoire. Il donne aussi un trésor de la mer mais c'est 0,3% de chance. Ouais, voilà. Où tu coupes les arbres. Bah pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Ah oui, j'ai pas répondu à leur missive. Ah oui, j'ai des étoiles de mer aussi. Mais ça, les étoiles de mer, c'est un truc. Oui, c'est expanded ça. Et du coup, les étoiles de mer, elles donnent des étoiles de mer séchées. C'est pas très rentable, mais c'est marrant. Et du coup, bah là, on a du caviar, on a des œufs de poisson, des œufs de saumon marinés. Donc du. Comment ça s'appelle? Du tarama finalement. Un petit tarama. Et des œufs de concombre de mer qui se vendent plutôt bien. Demain ou demain dans le jeu? Non, demain dans le jeu. Non, demain dans le jeu. Là, on est le mardi 16, tu vois, quand je passerai la nuit, on sera le mercredi 17. Ça m'a foutu la serre pour les arroser. Bah, faut trouver un pattern, quoi. Faut réussir à trouver un pattern. Est-ce que je vendrais pas tout ce qu'il y a là, en vrai? Non, mais non, faut que je les garde. Faut que je les garde pour... Faut que je les garde. Ouais, je suis obligé. Après, je serais peut-être chaud pour planter des graines de kawa, en vrai. Parce que ça me permettrait de pas acheter de kawa et de gagner du temps. Mais bon. Ne achetez pas une ligne, le concept a l'air super marrant. Le concept est trop bien, mais le concept va être trop cool. Hein. Franchement, j'ai hâte de jouer ce soir, hein, no joke. Hein. Ah putain, ouais, mais je crois que j'en ai pas des omnigéodes pour lui. J'en ai pas. Bah du coup, si vous savez pas, regardez, j'ai un petit raccourci ici avec le mode. Hop, je peux descendre ici direct. Et ça vaut le coup. À terme de pas mettre des trucs qui poussent et produisent plusieurs fois dans la serre. Ouais, justement, c'est à ça que je réfléchissais. C'est pour ça que j'avais l'idée du café.
Mais le café, ça donne pas d'argent, c'est... ce serait plus pour avoir du café à... Ce serait plus pour avoir du café, tu sais, tout le temps, quoi. Tu vas rager sur ta non-chance. Ouais, mais je préfère rager sur ma non-chance que sur le fait de me faire buter à 5 minutes au 0-0, si tu veux. C'est la fin. Vu que c'est littéralement le pourquoi j'ai arrêté de faire des UHC. Que j'en avais marre d'arriver au 0-0 et de mourir en 5 minutes. Le café, c'est rentable aussi en vente. Ouais, mais bon. Est-ce que ça vaut réellement le coup, tu vois, je sais pas. Mais oui, je pense que je, faut que je, je faudrait que je plante un truc qui reste sur la durée et qui produit pas mal. Après, les blueberries, c'est ultra rentable. Parce que ça produit beaucoup aussi. Les fraises, bon, les fraises, ça reste les fraises. C'est-à-dire que c'est trop fort. Ouais, mais je pense qu'il faudrait que je fasse un truc comme ça, ouais. Ou un truc qui produit beaucoup et vite. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui peut produire beaucoup et vite. Pas forcément un truc qui se vend cher, mais qui peut se vendre en grande quantité. Je pense que c'est peut-être le mieux. Ah bah t'as connu ça aussi, Lilo. Hein. Le kawa, je pense que... moi je pense que le kawa c'est pas une si mauvaise idée. Hein. Ouais les fruits anciens, mais les fruits anciens... Faudrait que je les fasse un moment. Faudrait que je fasse la sweet gem berries. Le fruit rare. Hein. Que je dois donner à la statue dans les bois secrets. Mais ouais, sinon, peut-être le café. Hein. Le houblon, ça produit tous les jours une fois poussé, sinon. Ouais, mais le houblon, c'est pas facile à planter. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, on peut mettre plusieurs choses dans la serre. On peut mettre du houblon, on peut mettre du café. On peut laisser un petit espace pour planter les graines rares. On peut, hein. On peut faire ça après. Hein. On peut mettre du houblon sur les bords. Et ensuite on met du kawa au milieu. Merci Creeper Whisperer pour le prime. Merci pour ce que vous faites. Et pour le danger de votre activité. Ah, plein de bois. Ah, mon arrosoir, faut que j'aille le chercher aussi. Ça, il est midi, j'ai le temps. Quoique, j'ai le temps, oui et non. Oui et non. On va voir. Combien de bois j'ai récupéré là? 587. On est large. Large. Voilà, je t'ai compté taxes de paille qu'on va récupérer avec cette faux. Hop là, hop là. Hop là. D'où mon besoin d'avoir un deuxième silo. Ça faudrait mieux que j'ai des gros stocks plutôt que de devoir calculer à chaque fois si j'ai assez ou pas. Bon, est-ce que j'ai assez de thunes pour... Je pense que j'ai assez de thunes. Est-ce que j'ai des... Attendez, je regarde si j'ai des géodes vite fait. Pas sûr que j'en ai, hein. C'est un bordel, ces coffres. Non, je crois que j'ai pas d'omni-géodes, j'ai dû toutes les ouvrir. Hein. Je pense, ouais. Tu fais des UHC. Non, je fais plus du UHC tout court. Quand je fais des UHC, c'est vraiment des UHC spécifiques. D'ailleurs, si vous avez vu la prog de cette semaine, il y a deux UHC. Il y en a un ce soir et un mercredi. DS et Demon Slayer. Ah, il est pas chez lui le mardi. Il est pas chez lui le mardi. Ah. Nick. Alors la question c'est, est-ce que Joja vendrait des graines de fraises? Je pense pas, hein. Je vais quand même vérifier. Avec 5 dino, il faut 5 x 24, 120 de foin pour un hiver, un silo suffisant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour l'instant, j'ai ça, mais ça se trouve, à un moment, j'aurai envie d'autre chose. Non, elles ne vont pas des grands pas, des graines de fraises. Ah, la canneberge aussi, c'est pas mal. Hein. Mais ouais, non, ils ne vendent pas de graines de fraises. Non, je pense qu'on peut rester sur le kawa, mais le kawa, il faut que... Il faudra que j'y aille crescendo, quoi. Alors du coup, on peut mettre houblon sur les côtés. Je pense que si je mets juste deux rangées de houblon, ça va le faire, non? Comme ça, je récupère les houblons, je les transforme directement en binouze. Dans la serre, j'installe une machine pour transformer en binouze. Enfin, les tonneaux, pardon, pour transformer en binouze. Au milieu, je mets du café.
Je peux peut-être laisser un spot en haut si je veux mettre des graines spécifiques. Les frères, c'est que pierre pendant les vodements de Pâques, quoi. Je pensais qu'on pouvait en avoir autrement, mais. Bah en vrai, attends, c'est quoi déjà la taille? C'est quoi la taille de la serre déjà? Bah au pire, je vais en acheter plus que nécessaire, c'est pas grave. Le houblon. Attends, tu peux mettre 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Je sais qu'il y en a 9 de chaque côté. On va en prendre 20. On va en prendre 20 pour être tranquille. Et le kawa, le kawa, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. C'est-à-dire quasiment rien. Mais on va commencer doucement et puis on va planter au fur et à mesure. Voilà. Et puis voilà. Faudrait que je passe chez Willy, vite fait. Si je peux. Il faut que je pense à pêcher aussi. Attraper 10 perches. Ouais, faudra que je fasse ça aussi. Bon, pour l'instant, on a le truc spécial. Je vais faire de la bière blonde ou normale? Oh, j'en sais rien. Je t'avoue, je sais pas. Salut Willy! Alors, donne-moi des flotteurs en liège, s'il te plaît. Merci, mon bon Willy. Hop. Moi, les arroseurs. Oui, bien sûr, bien, moi, les arroseurs. Mais après, les arroseurs, je peux les placer de façon à ce que ça arrose le houblon sans déranger le reste, tu vois. Mais bon, on verra ça demain, étant donné que là, la betterave est toujours pas prête. Et les perches, c'est chopable où? Déjà, c'est dans la montagne, je crois. Donc, au pire, jusqu'à temps que ça soit l'heure, je vais aller dans les. Non, non, quoique, non, faut que je fasse des appâts. Je commence à plus avoir beaucoup d'appâts. La roue, j'ai fait la roue, Galay. Ah oui, mais faut que j'aille donner des cadeaux à Alex. Alors, attends, Alex, alors il aime quoi déjà, Alex? C'est ça que j'ai pas regardé. Stardew Valley. Alex. Ah, Alex, c'est le mec qui habite chez Evelyne et George. Oui, c'est lui, d'accord. C'est pas le blond, justement. C'est quoi son truc préféré? Ok. C'est le petit-déj complet. Et le repas avec. Le repas de saumon. Commence à m'emmerder. Il aime bien tous les œufs aussi. Ok. Il aime bien tous les œufs, sauf que j'ai pas d'œufs. Et l'œuf de dinosaure est considéré comme un artefact selon le jeu, donc ça ne compte pas. Il aime bien tous les universal like. All universal like. Universal neutral. Du corail, de la truffe, de white machin, ok. Il est chiant, Alex, hein. Il est chiant, hein. Il est chiant, votre pote, hein. En fait, il aime que ça. Il aime que la bonne bouffe, en fait. Attends, tous les. C'est quoi les All Universal Love? Ah oui, les Universal Love, c'est genre. C'est genre les trucs très chers, quoi. Évidemment. Universal like, le maple syrup, sinon. En vrai, je peux peut-être lui donner du maple syrup, vu que c'est un truc universal like. Un petit maple syrup, puis voilà. Hein. On va pas se compliquer la vie, hein. J'en ai plein en plus, donc vas-y go. Hein. Go 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 go, petit kawa pour aller plus vite, allez, hop là. Et c'est parti. Ça marche, Galay. Salut croquette officielle. Arrêt de bus. Boop. Boop. Et boop. C'est le terp. Du coup, du maple syrup. Petit maple syrup. Là, regardez, j'en ai plein du sirop d'érable. Ça se. Voilà, on va give du sirop d'érable et puis ils seront contents. Bon, il est pas chez lui l'autre con, donc je peux pas aller chercher mon arrosoir aujourd'hui, c'est dommage. Ça, je vais le ranger ici pour l'instant. Quel enfer. Faut vraiment que j'arrive à organiser ces coffres. Hein. C'est très dur. Hein. Très dur d'organiser ces coffres. Bah, du coup, maple syrup, et puis on va lui donner ça pour aujourd'hui. Et puis il sera content, et puis il va arrêter de nous emmerder. Hein. Voilà. Puis ça va être l'heure du marché nocturne, donc marché couvert. Ah, les appâts! Ah, les appâts! La viande d'insecte. Oui, les tonneaux denses. Parce qu'ils sont remplis, oui. Ça veut dire qu'ils sont en train de tourner.
Viande d'insectes, bam, construction. Voilà. Merci. Tac et tac. Comme ça j'ai plein d'appâts, je peux mettre le petit bouchon. Et on y va. Et quand les tonneaux dansent, ça veut dire qu'ils sont remplis et qu'ils sont fonctionnels, ouais. Ils sont en train de tourner, quoi. Et pas, on pourra lui offrir plein de binous. Ville. Bam. Alors Alex, il est où? Where is Alex? Alex. Ah, il est à côté de la maison. Mais je... Non, mais je voulais pas rentrer là. Ok. Alex, il faut que je te donne du sirop. Enfin, pas du sirop, mais... Demetrius, t'aurais pas vu Alex? Marut? Ouais. Alex! Reviens! Hey Alex, cadeau. Bon, bah non. C'est trop cool, merci. Ah, de rien, Alex, date. T'inquiète. T'inquiète, c'est pour moi. Bon allez, marché couvert. On essaie de choper d'autres poissons. Surtout voir s'il n'y a pas d'autres poissons rares ajoutés par le mode. Le mode finalement. Parce que moi je pense qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a avant, tiens, du coup cette fois? Regardons ça aussi pendant qu'on y est. Une pile! C'est acheté. Hop. Le reste. Oh, cette musique est folle par contre. Le kawa gratos. Bonjour, je peux avoir un kawa? Merci pour le kawa. Alex, mon premier crush de Stardew. Ça parce qu'il a une... C'est parce que c'est un sportif, quoi. Oui, Summer Kiwi, je fais des trucs sur Olicube avec IPR et tout, ouais. Allez, 1000 balles pour la pêche profonde, c'est parti. Et cette fois, on repart avec plusieurs blobfish, plusieurs poissons espions, et on se fait de la moula. Car ça sert à ça. Et surtout, on prie pour qu'il y ait un poisson custom ajouté par le mod pack. Ce qui serait... C'est étonnant qu'il n'y en ait pas. Le gars à droite du... Non, il vend que des décorations, lui. Bah en vrai, les algues, comme dit, ça me dérange pas, Nirex, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, en vrai. C'est pas plus mal si j'en ai plein, en vrai. Vu le nombre de bassins à poissons que je veux faire, autant que ça me file plein d'algues vertes, comme ça, moi, je suis tranquille. Après, bon... Pas en surnombre, quoi, ce serait bien. Ah, du coup, le bouchon que j'ai mis sur ma canne à pêche, hein, ça augmente juste la taille de la barre verte, vous voyez. Comme ça, c'est plus simple de les choper. Hop là. Et en plus, ça explique bien, je crois, ces poissons. Bah, c'est pas vraiment un aquarium que je veux faire, c'est plutôt, tu sais, on peut acheter des bassins à poissons pour que tes poissons dedans ils produisent des œufs. Et en gros, bah, je voudrais faire un. Comme si tu faisais une grande ferme, bah, moi ce sera une ferme avec. Une ferme aquatique, quoi. Avec plein de bassins à poissons. Let's go, le blobfish! Nice! Tu vois, un blobfish c'est 780. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même cher cette connerie, hein. Et du coup, ouais, à part si on peut avoir, je sais pas si on peut avoir d'autres poissons un peu rares. Il y a normalement un calamar des fonds de mer, mais enfin, je crois, hein. Je crois qu'il y a un autre poisson ici, hein. Que le poisson espion, le blobfish. Il va y avoir un calamar. Poisson espion. Ah bah non, bah le calamar de minuit, c'est ça. Le calamar de minuit, c'est lui. Je vais pas colorer la casquette en vert. Mais la casquette, on peut pas la colorer malheureusement. J'ai essayé, on peut pas la colorer cette casquette là. Désolé si tu l'as déjà dit, je viens d'arriver. Mais vous excusez pas, hein, vous pouvez pas tous deviner ce que j'ai. Hein. Et dites-vous que quand t'es streamer, c'est une habitude de devoir répéter les choses. Parce que les gens arrivent au fur et à mesure, c'est normal. Y a pas de soucis. Et c'est pour ça que les commandes sont là. C'est pour vous aider plus facilement. Deuxième blobfish. Let's go. C'est vrai qu'avec le bouchon plus gros, c'est vraiment plus simple. Hein.
Ah là, un petit poisson custom là de Expanded. Le Butterfish. Oh bah let's go. J'avais même plus, j'avais complètement zappé qu'on pouvait choper des concombres de mer ici. Des grands concombres de mer. Genre moi j'écoute jamais donc j'aide pas. Arrête. Tu feras Life is Strange. Non. Non. M'intéresse pas Life is Strange. Non, un jeu à décision, je préfère faire Fallout New Vegas. C'est pas dans la même veine que Life is Strange, mais c'est bien aussi. Faut que je m'occupe de, de Fallout, j'ai toujours pas, je me suis toujours pas occupé des mods, putain. En même temps, dans mon temps libre, je joue à Diablo Immortals aussi. C'est ma nouvelle drogue. C'est ça le problème. J'ai une nouvelle drogue. Par contre, pour faire un point Poké-Clicker, j'hésite parce que je commence un peu à me lasser. Vous savez, je commence un peu à me lasser de Poké-Clicker là. J'arrive pas à avancer, ça, je farm pendant des jours et des jours pour ne pas avancer. Du coup, je réfléchis à peut-être, malheureusement, passer du côté obscur et devenir une merde. Et d'utiliser le script, d'utiliser un script pour m'aider un peu. Parce que j'avoue que ça commence un peu à me gaver quoi. En fait, c'est soit ça, soit j'arrête de jouer au jeu en fait. Pas un auto. Bah. L'autoclic, après, ça fait partie du script, mais est-ce que j'utiliserai l'autoclic, je sais pas. Mais en gros, de ce que j'ai vu, il y a un script complet qui rajoute pas mal d'automatisation. Ce qui serait plutôt pas mal pour moi. Mais bon. Je vais rejoindre le côté obscur, hein, bah, je crois. Hein. Et comme dit, en fait, c'est soit je fais ça, soit j'arrête de jouer au jeu en fait. Et vu que bah, j'aimerais bien quand même taper le fond. Faudrait que j'y arrive au bout d'un moment. En gros, oui, il y a un script qui permet d'automatiser par exemple les donjons, qui permet d'automatiser les arènes, ce genre de conneries. Et il y a un autoclic aussi, mais après, faut voir. Oula, oula. Oula, oula. Attendez. On est sur un banger là. Petit bâtard. Arrête! Mais qu'est-ce que c'est que ce poisson? Qu'est-ce que c'est que ce poisson de fou? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est inchoppable! Non mais attends, mais... Oh, hold up, wait a minute! Non mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce poisson de malade? Non, ça c'est un poisson custom ça. Ça c'est pas un poisson de base. Hein. Ça, je suis désolé. C'est pas un poisson de base. C'est pas un poisson de base ça. Ça c'est un poisson custom. Je vais l'avoir ce poisson custom, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Merde. Allez. On y va. On va l'avoir. Rien à foutre. Celui-là il vient. C'est le tigre. Oh ce poisson de malade. Putain mais il est déjà minuit, quel enfer. C'est lui? Non c'est pas lui. Non c'est le blobfish. Blobfish ou poisson espion? Blobfish. C'était pas un blobfish tout à l'heure. Il était beaucoup plus rapide que le blobfish. C'est le tigre. C'est tellement galère, je me suis chié dessus, je crois. Quelle énergie aujourd'hui. Bah non, mais c'est sûr. Mais non, mais ça intrigue. Un poisson comme ça, ça intrigue. Il faut se dire que j'ai que demain après pour le refaire. Donc sans que c'est un poisson, faut l'avoir quoi. C'est un must have. Bon, j'ai pas le temps. Hein. Non. Ah putain de merde. Je crois que ça va être limite pour rentrer. Hein.
Ah oh, la vache. Ah non mais hey, je reviens demain à 17h pétante. 17h, on retourne dans le sous-marin et je le chope, hein. Pas de doute, hein. Excusez, j'allume la clim, hein. Pardon. Vite! Vite, monsieur! Téléportez-moi chez moi! Hop là. Salut, Xaïna. Allez, on rentre. Je vais essayer d'aller vendre les poissons vite fait. Allez, 40, hein, quand même. Zbweep. Allez, on y va. Le chien pas devant le... Non, non, le chien. Parfait. Ça, c'est un bon Mario, ça. Ça, c'est un bon Mario. Bravo. En même temps, ouais, Blobfish, on... 2300 balles de Blobfish. Bien. Bien, bien, bien. Bon, du coup, jour 17. Jour 17. On va récolter les betteraves. On va planter le houblon qu'on a. On va planter le peu de café qu'on a. Désolé de te ranger à nouveau, mais j'ai une autre service à te demander. J'ai un nouveau marteau et je veux l'essayer sur une variété de métaux différents. Pourrais-tu me forger un lingot de fer et me l'importer? Bah pas de problème, mon Clint. De toute façon, tu dois me donner mon bucket, de toute façon. Kawa. Graines de kawa. J'en ai combien des graines de kawa? Je dois pas en avoir beaucoup, hein. J'en ai 4. On est d'accord que ça, je l'ai pas posé. Ouais, on est d'accord. Ah, j'avais encore des graines de fraises, tiens. Je crois que je vais planter... Tu sais quoi, je vais peut-être faire un arrangement. C'est-à-dire qu'on va planter toutes les graines qui me restent. Genre le chou-fleur, le carambaoul. Et en vrai, les fraises que je vais récupérer là, au pire... Oh, j'ai pas bu mon cola. Attendez, je vais aller boire mon cola. Si je l'ai débloqué, je peux la mettre dans le... Voilà, dans la machine à graines. Au pire, je peux faire ça. Comme ça, je peux mettre les fraises dans la machine à graines pour récupérer des graines de fraises. Mon petit cola de la journée. Et une journée commence bien avec un jauge à cola. Ah! Un bon cola fait par Joja. Ouais, si tu peux en refaire des graines. Bah voilà, c'est pour ça, je pense qu'on peut faire ça aussi. Bon, je vous ai toujours pas donné ce qu'ils voulaient. Les saumons, ils veulent quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, un bigorneau! Putain, c'est un bigorneau! Ah, faut que je fasse des bassins, du fin des cages. Mais en vrai, les cages, je peux les automatiser avec Automate. Donc il y a un monde où je vais peut-être... quand j'aurai accès aux égouts, peut-être respect le truc de pêcheur pour mettre les paniers à crabes pour en faire plein. Il y a un monde, hein. Alors, on y va. Les bonnes betteraves. Hop. Hop. Let's go. Ah mais y a un monde ouais où je peux faire plein de paniers à crabes et automatiser les paniers à crabes. Je pense que Automate a dû être fait pour ça. C'est-à-dire ça retire ce qu'il y a dans le panier de crabes et dès que c'est vide ça met un appât. Je pense à mon avis ça doit être faisable. Bon, la question c'est est-ce que j'ai pris assez de graines de houblon? Parce que le houblon je peux le mettre comme ça. Bon ça. Ah ouais. Ouais voilà parfait. J'en mets sur les deux côtés comme ça tous les 2-3 jours on en aura pas mal. Faudra juste que je remette en place les arroseurs pour pas que ça dérange. Et au milieu on va planter toutes les graines que j'ai. Par exemple si j'ai une graine de betterave qui me restait. J'ai 4 graines de fraises qu'on peut mettre comme ça. J'ai une petite carambaoul qui traîne. Un petit chou-fleur. Un petit chou-flower. Où je pourrais m'amuser à aller en chercher d'autres pour faire un œuf et tenter de faire un gros chou-fleur, mais bon.
J'ai une graine rare que je vais aller mettre en bas, je pense, genre là. Parce que ça prend 25 jours à pousser. Enfin, normalement, c'est 30 jours, mais avec le bonus, le bonus que j'ai, ça va. Et puis, pour l'instant, je vais pas toucher aux arroseurs. Après, le houblon, je peux le récupérer depuis l'extérieur, c'est pas dérangeant. Hein. 9 jours, 10 jours, 25 jours, 7 jours, 5 jours, 11 jours. Très bien. Et le... Ah, j'ai oublié le kawa. J'entends le kawa. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est pour... voilà. C'est pour pas gaspiller. Perso, fait des squats quand on est en basse, bien sûr. Ah, après, ah, anniversaire du wizard, on peut peut-être s'amuser... Attends, mercredi, il va pas dans le désert, le mercredi? Parce qu'il voulait... il voulait des trucs, il me semble. Donc au pire, je peux en prendre deux pour lui amener. Et le mettre bien. Déjà, je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour Clint. Attendez, je vais essayer de ranger ça bien. Hop. On va vendre les betteraves. Le wizard en vanilla, il bouge jamais. Bah là, il bouge, il va au casino secret. Mais je crois qu'aujourd'hui, justement, c'est le jour. Ah non. Ah oui, chez lui. Ok, bon, on peut y aller alors. Allons voir le wizard. Ça, on lui donne une essence du vide parce qu'il en avait besoin pour une quête. Aïe. Et en même temps, on lui donnera le cadeau. Comme ça, au moins, on est good. Petit kawa pour aller plus vite. Et ça part. Et ça part. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est marrant. Ah, un bouquin encore. Le problème que j'ai dans ce jeu, c'est que j'arrive pas à manager mon temps. C'est-à-dire que je me retrouve toujours à faire des milliards de trucs et à jamais avoir le temps de tout faire. C'est un enfer. C'est vraiment assez insupportable. Waman ! Ça sent bon chez toi, man. Cadeau. Vous avez trouvé, voici ma gratitude en 1000 balles. Disparaissez maintenant. Tiens, un autre. Tu te souviens de la date de mon anniversaire, impressionnant. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, monsieur le père d'Abigail. Non, enfin, je veux dire, oui. Bien sûr. Bien sûr. Faut parler leur langue, il faut une vie entière d'acharnement. Enfin, une... oui. Attends, si tu veux bien m'excuser. Pardon, excusez-moi. Tiens. Tiens. Salut, Romé. Tiens, tiens. Cette carambole est délicieuse. Oh! Cinématique avec le... Attends, mais c'est une zone spéciale, ça. C'est une zone spéciale. Un peu awkward. Juste un moment, je dois évaluer la force de cette barrière. Elle devrait rester stable pendant encore 6 saisons. Quoi ? Je vois. Laisse-moi expliquer. Alors que Stardew Valley semble souvent tranquille, les monstres se cachent dans les coins les plus sombres, en particulier au fond des bois. À l'ouest de ma tour, il y a des slimes dangereux qui attaquent tous les humains qu'ils voient. En tant que praticien de magie résidant à Stardew Valley et de Pelicanville, il est de ma responsabilité de maintenir la barrière magique qui empêche les monstres d'attaquer. Du coup, question, pourquoi j'ai des monstres chez moi si t'as mis une barrière? Hein? T'as la réponse à ça? Je crois pas. Quand une sorcière ou un sorcier choisit sa maison, il jure également de protéger les résidents de cette maison. Ok. Camilla, la sorcière de Castle Village, est exceptionnellement talentueuse. Elle dirige l'avant-garde en combattant les hordes de monstres à Galdora. La barrière qu'elle supervise est la plus grande du monde et nécessite d'immenses quantités de mana pour être maintenue. Ok. Mes excuses, Luigi, je dois assister à une réunion du conseil. Let's go. Let's go. Cool. Mais non, c'est pas vraiment le logo de Solari, mais... Après, fun fact, le logo de Solari a une base du yin et du yang, ouais, tout à fait, ouais. Fun fact. Pardon. Les paniers à crabes, ça coûte combien? C'est 3... Ah oui, c'est 3 lingots de fer et 40 bois, c'est pour ça que c'est cher.
Fun fact. Fun fact. Ça devrait être un slogan. Le slogan fun fact. Dès que tu dis un fun fact, tu mets ce slogan. Principalement. Ah, que ce TP comme ça, ce serait pas mal, ouais. J'aimerais bien, moi. J'avoue, j'aimerais bien. J'avoue. J'ai oublié le sirop d'érable pour Alex. Le parallèle Solari et Lunari aussi. Ah, mais je vois que vous suivez, c'est bien. Et oui, tout a une signification dans la vie. Rien n'est fait au hasard. Eh oui. Tout à fait. Hop là. Bon Clint. Comment qui va, mon Clint? Let's go. Alors. Tiens, ça c'est cadeau. Eh, le lingot de fer que j'ai demandé, il a l'air solide. Parfait. Merci Luigi, je suis très reconnaissant. Ouais, je sais, le Clint, je sais bien. D'ailleurs, Clint qui n'est pas vraiment apprécié dans la communauté Stardew Valley car c'est considéré comme un creep. Il est considéré comme un creep. Et pas un creeper, justement, plutôt l'inverse. Car quand tu avances dans l'histoire avec Clint, tu peux voir un moment où il observe un personnage féminin dans les buissons, soi-disant par peur de lui parler. Mais du coup, il l'observe depuis un buisson, tel un voyeur. Voilà. Du coup, il est pas aimé dans la communauté Stardew à cause de ça. C'est comme fou, hein. Un personnage comme lui réduit à ça. Attends, mais je suis jamais allé ici. Champ de récolte, on a bon. Attends, mais je suis jamais allé ici. On est où là? On est. Je suis allé ici? Je crois pas, hein. C'est Emily, ouais, c'est ça. Hein. Ah, d'accord, c'est un passage à côté du. Ah, d'accord. Mais du coup, il y a une ferme abandonnée. Auquel on ne peut pas accéder, du coup. Peut-être un champ auquel on aura accès plus tard si on améliore une relation. Ça a l'air d'être intéressant là-dedans, c'est une espèce de mini carrière. Ça peut être pas mal. Bon bah c'est tout fait, du coup l'arrosoir en or on l'aura dans 2 jours. Faut que je m'occupe des perches. Faut que j'aille pêcher. pêcher des perches. Bref. Et du coup les perches, il faut que j'aille dans les montagnes, je crois, non. Il n'y a pas de perche ici. Lac des montagnes uniquement. Ouais. Le lac des montagnes uniquement, tout à fait. Tout à fait. Non mais on est. Voilà, ça. On s'est fait clouer le bec, comme on dit. Ah. Ouais, ça va tout le monde d'avoir peur de parler à quelqu'un. Ouais, mais observer quelqu'un depuis un buisson, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu du voyeurisme quand même. Hop là. Encore un morulingu. Salut Gabriel. Bonjour. Ah. Donc là on va pêcher jusqu'à 17h. Dès qu'il est 17h on retourne dans le... Mais non mais j'ai que des morulingues. Et on s'en branle des morulingues. Ah ouais, ça a un certain prix évidemment mais... Bon, ça m'emmerde avec ces morulingues de mes deux là. Dans les poissons de caverne, il m'en manque qu'un seul, c'est le poisson de glace.
Mais de toute façon, pour l'instant, j'ai pas encore. J'ai pas encore les bassins pour les gérer de toute façon. Ouh, 5 charbons, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Il y avait un ver de terre, flemme. J'ai vu le ver de terre, mais flemme. Oh, un train passe à Stardew Valley. Bah, du coup, je vais pas les pêcher. Ah, bah, attends. Oh, bah. Eh, hey, cadeau. Bah, non. C'est trop cool, merci. De rien. Les gens ne sortent pas souvent pendant l'hiver et font des choses ennuyeuses. Peut-être que si je lisais un livre, je m'ennuierais moins. Non. Il est trop cool, Alex. Il veut pas lire de bouquins. Putain, il est trop cool. Oh. Ah bah. Il y a un train, bordel. Ah putain, mais on le voit passer. Regardez. Il y a des petits... Ah, Luigi, je t'attendais. Regardez, il passe. J'espère qu'il va dans des trucs. T'as déjà dit que j'étais marié? Fais chier. Étrange, je sais, pour un homme comme moi, mais c'est vrai. Ma femme et moi étions ensemble de nombreuses années jusqu'à ce que je fasse une erreur qui l'a chassée. Tu l'as trompée, oui. Sa colère et son envie étaient si intenses qu'elle est devenue verte et a commencé à voler dans la campagne, maudissant tous ceux sur son passage. Quand je l'ai découvert, j'ai scellé le passage jusqu'à sa maison, de peur qu'avec la joie innocente ne devienne la proie de sa magie noire. Mais maintenant, elle doit être décellée, car lorsque nous sommes séparés, elle a pris mon encre magique. J'ai besoin de cette encre magique. Je ferai ça moi-même, mais je ne peux plus l'avoir. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Avant de déceler ce passage, tu auras besoin d'un talisman noir. Parle à Crobus à l'égout, il devrait savoir où en trouver un. T'as la clé des égouts? Je compte sur toi. Si tu peux récupérer mon encre magique, je te promets que cela en vaudra la peine. Maintenant, tu peux y aller. Ah bah j'ai raté le train, du coup, maintenant, oui. Connard. Connard. Oh! What the fuck? Putain, mais j'ai raté le train, du coup. Est-ce qu'il a droppé des choses, hein, au moins? Est-ce que ça valait le coup de venir ici? Mais même pas! Il a rien droppé! Oh, sa mère. Putain, je vais détruire une maison pour me calmer. Putain. Désolé, Suzanne, non, c'est pas contre toi. Hein. Ok. Bah, du coup, c'est cool parce qu'en fait, j'ai toujours pas accès aux égouts. Donc, bah, en fait, c'est trop cool, quoi. C'est juste trop cool, en vrai. C'est juste trop cool, en vrai. Merde. Il est 17h, bordel, faut y aller vite! Kawa! Putain, mais on va perdre du temps, bordel, on va perdre du temps! Pff. Objectif, avoir le poisson de malade. Hein. Si je l'ai pas, je redémarre la journée, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais j'aurais extrêmement le seum si je l'ai pas. Oh, mais je suis si loin en plus, j'aurais peut-être jamais dû aller là-haut. Je suis le roi des cons. Juste le roi des cons, en fait. Oh, on perd tellement de temps. On va perdre une heure entière, je pense que j'étais dans les montagnes à voir le sorcier qui me dit t'as vu qu'il avait une femme et que je l'ai trompé en fait. Connard. Ça pour avoir une fille en plus. Non mais franchement. Franchement, monsieur le wizard, vous déconnez. Hein. Ah, j'espère que je vais l'avoir. Hein. Salut, Aethord. Petit kawa. Vous avez reçu du kawa. Ah, bah ça. Bonjour monsieur, faites-moi plonger vite! Faites-moi plonger! On y va. Allez! Salut Crunch Cheese. Une fois que je joue pas le stream de Stardew, ça fait plaisir. Eh bah écoute, c'est parfait! Grâce au jour férié, vous pouvez tout regarder. Ouais. Allez! Pas bon timing. Oh, le timing était insane. Le timing était insane. Petit poisson espion pour commencer. Ou un calmar de nuit. Un calmar de nuit peut-être. Ouais, calmar de nuit. Allez, il me faut le poisson extrême là. Ah. Ah. Il est un peu galère mais pas trop. Donc j'ai un blobfish. Pas du tout, poisson espion de mes deux. Matériel de pêche est usé, non! Vite! Hop là. Après c'est l'intérêt du live, c'est qu'on puisse discuter et tout, ouais.
Oui, c'est un peu ça, Gumsway. J'ai pas la clé. Bah, dommage, débrouille-toi, moi je peux me TP, alors au revoir. Pouillon ! Et puis il se barre. Un peu un con, le wizard aussi, hein. En plus de tromper sa femme, c'est un con, je trouve, hein. Hop. Merci, ça me fait de la pain en plus. Salut Léa. Salut Frit. Ok. Ok. Il y a un petit fight. Il y a un petit fight. Mais il a l'air plus calme que le poisson de tout à l'heure. Donc j'arriverai pas à dire si c'est celui-là. Non, c'est un blobfish. Ok. Tout à l'heure, c'était pas un blobfish, hein. Tout à l'heure, c'était pas un blobfish, hein. C'est sûr et certain, hein. Vu comment on a galéré, c'était pas un blobfish, hein. Pas possible, hein. Ce blobfish est galère, mais peut-être pas autant au point que tout à l'heure, hein. Ouais, mais le super concombre, il est pas dur, en vrai. Il est pas dur comme le poisson qu'on a eu tout à l'heure, quoi. Et là, jusqu'à 21h, on te fait une pause avant. Non, non, je lève jusqu'à minuit, là. Ah non, c'est mes horaires habituels, hein. Salut, Matex. Oh, on stream jusqu'à minuit, là. Ok. Non. Non, y'a pas de fight avec juste un poisson espion, ça. Blobfish, putain, alors là. Il était pas dur en plus pour un blobfish. Écoute, je prends. Oh, t'inquiète, Kadou, t'inquiète pas, y'a pas de problème. Non, là, on fait du Stardew Valley jusqu'à 21h, et puis à 21h, on fait l'UHC Panini, ouais. Un calmar de mer, ça. Enfin, un calmar de minuit, pardon. Un poisson espion, peut-être? Ok, calmar de minuit, c'est ça. Putain, métis, je prends. Allez, il me faut le poisson chelou, là. Il y a un poisson vanilla extrêmement rare ici. Ah, il est vanilla ? Enfin, il dire que j'ai eu tout à l'heure, mais que j'ai pas réussi à choper parce que c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il faut être niveau 10 en pêche pour l'avoir forcément ? Il bouge un petit peu, mais pas tant que ça, donc je dirais que c'est le poisson espion, ça. Ou un blobfish ? Un poisson espion, ouais, c'est ça. C'est quoi un UHC Panini ? C'est un UHC classique où faudra ramasser des cartes Panini pour compléter des collections pour avoir des bonus. Mais tout sera expliqué ce soir à 21h. Ne vous inquiétez pas. Non, mais stop, 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 c'est bon, j'ai compris les algues, j'ai compris, j'en ai assez. J'en ai assez. Merde. Mais normalement faut avoir un appât spécial pour l'avoir. Ah ok, bon. Bah on verra l'année prochaine alors. On verra la prochaine année alors. Si je peux pas l'avoir pour l'instant, on va pas se battre, hein. C'est pas utile, hein. Après tout à l'heure j'en ai eu un. J'ai eu un poisson compliqué, hein. Donc c'est pas impossible, hein. Non, c'est pas de l'abandon, justement, j'ai encore jusqu'à 1h du matin. Enfin non, jusqu'à minuit, minuit, ouais, 1h du matin. On va faire minuit, jusqu'à minuit 30. Minuit 40. Jusqu'à minuit 40. Minuit 40, faut qu'on commence à remonter. Blobfish. Non. Un peu à chier.
Poisson espion. Ouais. Poisson espion encore. C'est Wolfog. Bah ouais, shit, il faut bien hein. C'est en plus c'est un moment, c'est le seul moment où on peut pêcher dans le sous-marin comme ça donc Bon bah j'ai encore deux chances après ce poisson là je pense. Donc on va prier hein. Pas maintenant les algues s'il te plaît, pas maintenant. Pas maintenant bordel. Oui, il se fait tard, je sais. Oh. Oh. Non, il est pas, non, il est pas compliqué celui-là. Non. Il fait des petits à-coups, mais il est pas dangereux. Peut-être un blobfish. Ouais, blobfish. Ok. Allez, dernier. Dernier ou avant-dernier. Oh putain, non, mais pas les algues maintenant. Pas les algues maintenant. Ça va être le dernier. Ça va être le dernier. Peut-être le temps pour un dernier. Ah, un autre blobfish, c'est bien. Allez, dernier. C'est le dernier. Allez. C'est le dernier. Putain. J'ai envie. Allez. On grid. Mais putain, je veux pas. Je termine sans des algues. Non. Aïe. Aïe. Eh ben on n'aura pas eu le poisson rare, dommage. Ah deg, dégoûté. Mais bon c'est comme ça hein. Bon faudra attendre l'année prochaine du coup hein. Parce que c'est que 3 jours seulement on peut faire ça et les 3 jours sont passés. Donc malheureusement faudra attendre. Ah mais au moins on a essayé. Le plus important, c'est qu'on ait essayé. Ok, faut que je passe vite à la benne déposer tous les poissons, bordel. Tac. C'est bon. Allez, on peut aller dormir. Et là, par contre, aujourd'hui, on va stonks. Hein. Avec les betteraves, les poissons et tout. Là, aujourd'hui, c'est stonks. Franchement, un petit stonks, certes, mais un stonks. On prend le petit stonks. Comme ça, j'aurai assez d'argent pour faire le saut en iridium. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, pour bien commencer la journée, quoi de mieux qu'un bon petit cola. Un petit Joja Cola. Ah. J'aimerais vous donner quelques informations sur un événement à venir, la fête de l'étoile hivernale. C'est le moment où la communauté se rassemble. Ah oui! Cette année, votre ami secret est Emily. De l'île à personne, la fête aura lieu le 25. Donc c'est Emily. Ok. Emily, elle aime bien les pierres précieuses, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Emily, cadeau préféré. Améthyste. Aquamarine. Ouais. Ouais, bon, bah, on lui filera un petit cadeau. Pas de problème. Pas de problème. Faut que j'aille faire ça par contre. Hein. Faut que j'aille faire ça. Pas de sous. Putain, j'ai plus de. Ok. J'ai plus de. Ouais. Ça bouge dans ça. J'ai plus de charbon. Eh bah écoute. Allez, fais-moi du charbon. Ça je le prends parce que pour les tonneaux ça va être assez pratique. Mm-hmm. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau petit habitant là-dedans là? Ah du coup ça y est, oui ça a été fini ça. Pouah, regardez-moi ça un peu. Oh ils sont en oubou. Waouh. Oh ils sont en oubou. Ah ils sont même pas en amour, ils sont en oubou. Ils ont chaud, ils ont l'autopéter. Ils ont le truc qui les file automatiquement. Putain, ils... Oh, ils sont en full ouh. C'est demain le love de dinosaure, ok.
Oh là là. C'est vrai que quand on habite ici, c'est vrai que la vie est très ougou, hein. Ça. On l'oublie assez rapidement. Putain, le truc qui fait des auto-caresses, il est trop fort en vrai. Parce que j'ai jamais eu, je crois, le statut. Enfin, les animaux qui sont en ougou. On sait vraiment qu'ils sont heureux, quoi. Ah, ça fait plaisir à entendre ça. Ça fait plaisir à entendre ça. Tiens donc. Merci maître Yoda. Merci maître. Pour le 15e mois, merci beaucoup. On va aller acheter un nouveau bassin à poissons. Bien évidemment. Car on ne change pas une équipe qui gagne. Sauf que je sais plus où j'ai rangé ma pierre. Bah ça doit être ma seule pierre que j'ai, hein. Du coup ça m'assure pas. Suis-je aveugle? Bah non, j'ai pas d'autres. Putain, j'ai pas d'autres pierres. Parce que du bois, j'ai encore un stack entier, donc ça va. Mais de la pierre, ouais, ça commence un peu à être galère là. Dis donc. Dis donc. Il est roule à voir dans une arène dans son communautaire, il est trouvable que dans les étages spéciaux des grottes. Ah les dinos, oui. Non, c'est pas comme ça que je l'ai eu moi, l'œuf de dino, je l'ai eu avec de la pêche. Vu que ça est considéré comme un artefact et non pas un œuf, il est trouvable comme ça aussi. Ah non, vous parlez de l'autopète. D'accord, my bad, j'ai pas suivi. J'avais pas suivi, my bad. Ouais, bonjour Robin. Je veux construire un nouveau bassin à poisson. Bam. Il y a un nouveau bassin à poisson. Voilà, l'autopéteur, si tu passes par Joja, c'est le truc le plus simple au monde. Hein. C'est... Ça en est débile, hein, même. Bon bah les blobfish vont être tout seuls. Hein. C'est triste. Les blobfish vont être dans leur coin. Donc ils sont moches. Ah oui d'accord. Le bête c'est Vanilla ouais. Ah oui c'est Vanilla. Bon bah vas-y on va pêcher de la perche hein. Pour terminer la quête. De toute façon Alex je lui ai donné les cadeaux. Mes graines sont pas prêtes d'être prêtes. Ça. Ok. Le seul truc qu'il faudrait que je récupère c'est de la pierre à la carrière, pourquoi pas. Il faudrait que je fasse sauter ça à la bombe, ce sera plus simple. De la perche s'il vous plaît, de la perche. Attendez-la moi. Mais non, de la perche bordel. Ah mais j'ai pas le choix hein, c'est pas que je vais le mettre dans le camp obligatoirement, c'est que vu l'espace que j'ai, je suis obligé hein. J'ai pas pêché de poisson légendaire de l'hiver. C'est vrai que j'allais le pêcher aussi. Il est où déjà? Il me semble qu'il est pas... Il est à côté de la tour du wizard, je crois. Je crois que c'est lui qui est là en hiver. C'est dans le bois, ouais, c'est ça. Hein. Oula. C'est une perchette? Une perchette? C'est une morulin que je me pète un câble. Ah, bon, ouais. Bon finalement... Oui c'est ça, bah c'est ce que j'avais en tête, oui. C'est ça. C'est à côté du gros tronc d'arbre qu'il y a dans l'eau, je crois. Une perche? Comment ça m'emmerder ce truc là? C'est trop loin. C'est trop... Hé hey. Non mais au secours. Hein.
Non, les perches, c'est dans le cours d'eau classique. Hein. Là, on n'a pas une seule perche. Mon tel de pêche est usé, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va descendre. Hein. Le truc qui brille dans l'eau, c'est... C'est quoi déjà le nom français, j'ai oublié. C'est des minerais, en fait, que tu peux récupérer. Avec un tamis. C'est dans le jeu de base. Hein. Au cas où, c'est dans le jeu de base aussi. L'orpaillage, c'est ça. Arrête! Oh, c'est un morulingue. Oh non, mais pas les morulingues. C'est trop. Mais c'est galère à pêcher. C'est pas si rentable que ça en vrai. Ah non, pas du tout. C'est un brochet. Putain, mais il faut des perches, bordel. Trop dur à avoir des perches, c'est ça? C'est trop dur. Bah là, je ne cherche pas de l'or, je cherche que des perches. Je ne veux que de la perche actuellement. C'est pas compliqué à avoir pourtant. C'est un poisson assez commun. Allez, encore un morulingue de con là. Bah c'est perdu hein. Bah c'est perdu. Oh, oh le save. Non, je ne peux que le capturer maintenant. Nice. Morulingue de témor là. Vous avez vu à quel point c'est dur et ça se vend que 300 genre, enfin même pas, saison 6 ça se vend 300 je crois, je sais plus. Ça chie quoi. Ce qu'il faut retenir c'est que ça chie. C'est galère pour ce que c'est, voilà ce qu'on va dire. Ouais une perche. Allez plus que 8. C'est un morulingue, c'est moi. C'est un morulingue, c'est moi. Fais chier, c'est un morulingue. Il faut des poissons qui sont pas durs à choper, genre ça qui est horrible. Et ça me donne que des poissons durs à choper. D'où le fait que le morulingue est un poisson à chier. Ben c'est bien pour les bassins à poissons, mais merde. Une perche. Allez, une perche. Après, c'est très bien, hein, les brochets et les morulingues. En vrai, ça vaut ce que ça vaut, mais... Moi le jeu m'a dit des perches. J'ai besoin de perches. Allez, encore un morulingue de merde. C'est pas beau, un morulingue. Ah non, c'est un brochet. Allez mon dieu. Des perches. Le poisson, la perche. Le truc, tout le monde s'en branle normalement. Il me faut ça en fait. Oh putain. Et sinon, c'est quand qu'on s'amuse? Ah. Un poisson pas galère. Plutôt facile à choper. Ça pourrait être le troisième, c'est vrai? Waouh! Oh, est-ce que... Putain, c'est bien la seule fois où je vais être content de voir un poisson qui est trop facile à choper. C'est le Mion. C'est le Chouka. Non. Le back-to-back? Non. Quand même pas. Oh, le back-to-back! Oh! Pardon. Non! Le back-to-back-to-back, deux perches, non. Oh! Wow! What the fuck? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est fini. On a eu trois à la suite, quoi. Trois fois, on a eu un poisson à chier à la suite. Ça, c'est beau, quand même. Oh, tu pêches des carpes?
Des fois, pourquoi je pêche des pêches. Bah, je te laisse deviner, Furablanca. Il y a un système dans le jeu. Je sais pas si tu connais. À ton avis, pourquoi je pêche des perches? À ton avis. La réponse est la plus simple au monde. Vas-y, m'emmerde. On peut dire qu'ils attendent des perches. J'adore rire. Hop là. Ah, un brochet. Ouais, ça bouge trop pour une perche. Ouais. Ok. Oh, il y a Alex. Le mec à qui je dois faire des cadeaux. Ah, il bouge pas trop, peut-être. Ouais, si, une perche un peu vénère. Let's go! Alex nul. Oui, mais la roue a décidé que ce soit Alex aujourd'hui. Je ne décide pas des règles. Hein. La roue le décide. Non! Back to back? Non, c'est pas possible. Ok, ça va un peu trop. Oh là là là, mais. Je commence à être épuisé. J'ai rien à foutre. Ah, ça, c'est un brochet. Ça bouge trop pour être une perche. Pour les manger? Ah non! C'est quoi ça à ton avis, Ferré Blanca? Notamment ça, c'est quoi ça? Ça a un nom particulier, c'est un mot qui commence par la lettre Q. Et Thunder Fenrir t'a donné le nom. C'est une. Tu vas l'avoir, c'est une. Allez. Courage. Prends ton courage à deux mains. C'est une. Attention, est palpable. Hein. Non, pas une question. Mais oui, putain, c'est une quête, let's go! Oui, c'est une quête, en effet. Tout à fait. Pas se mentir que je vais pas les pêcher par plaisir, sachant que c'est des poissons de merde. Question. Putain, on va être crevé. Ouais, bah je perche des perches pour une question, en effet, ouais. Pour pouvoir répondre à cette question, comme ça t'auras plusieurs perches pour y répondre. C'est une quiche. Ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge un peu trop, donc c'est un brochet encore. Ah non, une truite tigrée. Une truite. Allez. Ah, ça bouge pas beaucoup. Ah, ça bouge. Ah, la la la. Attends, j'arrive. Oh, hey. Bah ça, Azuka, pour l'année de sub, une perche. C'est beaucoup, Azuka. Et encore un bouquin. Oh, purée de pommes de terre. Belle référence. Bravo. Oh oui, le back to back. Oh, le back to back. Back to back poisson à chier, let's go. Oui. Il m'en reste plus qu'un, non? Oh là 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 là, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Non. Direct, genre, un back to back to back? Non. Non, 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 non. Non. Les rêves, ça existe? Non. Non, non, les rêves, ça existe pas. Non. Les rêves n'existent pas. Belle définition de la vie, ce qui vient de se passer quand même. Quand tu espères, et que la réalité tape. Ça, c'est un brochet. Ah, mais il me faut une perche, bordel, une seule!
Je pense à être épuisé, no shit. Ça bouge un peu trop, je dirais que c'est une dorade encore. Oh non! Yes! En plus, j'ai fait un nouveau succès. Ah, tout ça pour 680 balles, putain, mais je suis refait, bordel. Ma vie va tellement évoluer. Oh la vache. Putain, mais je me suis fait chier à faire tout ça pour 680 balles. J'espère que la récompense vaudra le coup, hein, parce que vraiment, là... Trop de souffrance pour peu de résultats, hein. Ah. Elle méritait un petit dodo. Encore un bouquin. Encore un bouquin. Putain, Pas fou. C'est ça, on a eu 10 balles et 1 mars pour 800 poissons. Allez hop, on met tout ça à vendre. Merci bien. Allez. C'est dodo. À 20h30, on va faire un gros dodo, et boum. Oh la journée de merde, oh la vache, la journée de merde. Ah, toute la journée on a pêché, on a fait 3000 balles. Ouais. Mais c'était pour la quête, tout ça pour une quête, hein, bien sûr. Ah, encore une bonne journée avec mon Joja Cola. Ah. J'ai entendu dire que vous donnez un coup de main à certaines personnes au village, tout le monde a l'air... Ouais, bah, ah. Je vous décerne le prix du meilleur voisin du mois. Yes! Merci, merci monsieur Lewis. C'est vrai que je suis plutôt le boss de... Je suis plutôt le boss de la T6, on est tout à fait. Je suis plutôt un monstre, en effet. Je suis content que le maire le voit, quoi. On va en prendre 8, comme ça j'en vendrai 3 pour avoir 25 000 et un peu plus. Et on améliorera le seau en iridium, comme ça le seau sera fait et on aura plus à s'emmerder avec. Bien. Bien. Toujours pas d'omnigéote pour les petits bonhommes là. Hein. Faudrait que je m'en inquiète un moment. Ah, une roquette. Ah mais non, mais eux c'est... Oui, c'est le bigorneau, mais je sais pas le bigorneau encore. Bah au pire je vais faire ça, tiens, c'est quoi? Ça va me coûter cher. On fuck it. On va pas respect pour ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Hop. Avec du boa. C'est pas un boa, ça. Hop. Voilà. Comme ça, on va faire un coffre à côté qui aura de la nourriture, enfin des appâts dedans. Ah, que ça en tient 10 jours. Hop. Du coup, je me fais un petit coffre. C'est quoi comme spawn de base? C'est un. C'est un... une ferme custom du mode pack expanded que j'utilise. Ouais, on peut les relier, on est d'accord. Ouais, d'accord, on peut les relier. Ok. Voilà. Et donc là, je prends mon coffre, je le pose. Ici. Comme ça, c'est relié, parfait. Et si je mets ça. Oh, let's go, trop bien. Parfait, on peut automatiser les paniers à crabes. Et bah, c'est super. Peut-être même en faire un peu plus, tiens, pour descendre le long. Allez hop là, ça s'emplit direct. Incroyable. Ah merde, j'ai fait un trop. Ce qui est incroyable, tu devrais ajouter des quoi? Des recycleurs au bout. C'est vrai qu'on pourrait ajouter des recycleurs au bout. On peut mettre le recycleur juste à côté en vrai. On peut mettre le recycleur juste à côté. J'en ai un juste là. C'est vrai que c'est pas déconnant. On prend le recycleur qu'il y a là et puis on le fait tourner. Hop. Ah bordel, automate. Je pense que c'est le meilleur mode qui existe sur ce jeu. Hein.
Hop, voilà. C'est relié. Comme ça, dès qu'il y aura des déchets, eh ben, ils passeront dans le recycleur et puis ben, ça marchera tout seul. Parfait. Et du coup, bah, Robin nous prépare le prochain bassin pour les blobs. On m'affiche. Il manque Applied. Non, mais ça va aussi. Ça, il manque un cloud pour gérer les items, là. Sauf que UI Info est le meilleur mode. Ah, c'est vrai qu'Overall, UI Info, mais... Ça donne des détails, tu vois. C'est pas non plus un mode qui révolutionne le jeu. Alors, je trouve qu'Automate, par contre, ça révolutionne le jeu, par contre, tu vois. T'en penses quoi, toi? T'as chaud, hein? Ouais, bah, je sais bien. J'ai mis la clim, ça va. Ça va, il y a eu la clim pendant un long moment. Mais bon. Bah, je cherchais un truc, mais je sais plus ce que c'est, du coup, c'est dommage. Ah oui, non, ouais, ok. Non, je pense que je voulais regarder si j'avais pas des géodes, mais non, j'en ai pas. Encore un bouquin? Eh ben. Ah bah, fait. C'est vrai qu'on a trouvé un bouquin, ça vaut le coup. Hein. Là, ça vaut le coup, j'avoue. C'était le meilleur moment. Merci Kaki Stream pour l'année de sub. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui fêtent leur année de sub, là, ça y est. Il y avait quoi il y a un an? Bah, on commençait Stardew Valley, je crois. Hein. Comme quoi. La boucle est bouclée. Et merci à toi, Gaki Stream. Merci beaucoup. Hop là! L'arrosoir d'or. Boutique. Hop. Améliorer l'outil. Arrosoir en iridium. Boum! Comme ça, au moins, c'est fait. Et j'ai plus à m'en inquiéter. C'était l'RPZ. Non, bah, la RPZ, c'était en avril. À cette période-là. Le 6 juin, on ressortait de la Zilan. On ressortait de la Zilan l'année dernière. Un bon cola. Un bon cola qui fait plaisir. Mais non, il y a un an pile, c'était la Zilan ou on était juste après la Zilan. Je crois que c'était là, il y a un an, c'était... ouais, c'était, ça doit être le dimanche de la Zilan. Parce que je me rappelle que le 8 juin... de l'année dernière, on a participé à un Twitch rival qui a fait qu'on était devenu champion d'Europe. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, bah ouais! Et on va bientôt fêter les 1 an. Ça fait bientôt 1 an exactement que je mets la cam sur les streams, sur tous les streams que je fais. Avec Magic, Guile et Matox, non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, vous avez suivi à moitié alors. Pas bien. Déjà 1 an, ouais. C'est quoi le prochain truc cheval? Alors, normalement, il y en a un mardi prochain. Mais il est un peu particulier, c'est pour ça que j'ai pas encore répondu à Pika. Pika, c'est l'organisateur de Steven. C'est parce qu'en fait, c'est un main draft, mais on sera mélangé avec des équipes d'Américains. Ce sera un événement PV, ce sera un événement mini-jeu et tout. Mais on sera pas en équipe habituellement, là ce sera... genre, des gens devront tirer les joueurs qui veulent. Et du coup, je sais pas si je le fais ou pas. J'hésite un peu. J'avoue que j'hésite un peu. Ah bah Alexis, le temps passe vite hein. Bah si, fais-le. Ouais, mais bon, c'est assez particulier parce que du coup on sera qu'avec des Américains, donc je vais faire que avec des Anglais, donc je parlerai majoritairement pas où je parlerai anglais. Tu vois. En fait, c'est pas le fait que de parler anglais qui me dérange, c'est le fait que je serai avec des gens que je connais pas en fait. C'est plus ça, tu vois. Ah, par exemple, Guile l'avait déjà fait, par exemple. Si vous avez vu, Guile, à un moment, il avait participé à un event avec des Anglais. Vous savez, du coup, vous connaissez. Mais je sais pas. Bah, ça pourrait être... En fait, d'un côté, ça pourrait être marrant, mais en même temps, bon, on va pas se comprendre. Enfin, ça va être chiant, quoi. Mais c'est pas clair. C'est-à-dire que ça peut être sympa à faire, mais d'un côté, ça va être chiant parce que ça va être un peu le bordel.
Ouais, c'est ça, et puis en général, quand je suis dans un endroit où j'ai... Enfin, quand je suis dans un vocal avec des gens que je connais pas, je parle pas tant que ça. Et j'avoue que c'est... C'est un peu le bordel. Bon bah, trouver un peu de fer du coup. Ah oui, mais du coup maintenant je vais avoir des étages avec ça, c'est vrai. Oh, le t-shirt crâne! Yes! Trop métal! Pardon. Le premier stream MK quand tu es allé en voc. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah c'est normal. Je suis quelqu'un de timide dans la vie, donc ça a pas changé en stream. Hein. Oh, un crâne préhistorique. Oh, bien. Ça, c'est bien, ça. C'est la fête. Merci Vator pour le 20e mois. Merci beaucoup. Merci Vator. Oh, une graine de kawa. Nice. Encore plus de kawa dans la serre. Ah ouais, le kawa, ça se demande quand déjà? Au printemps ou en été? Ah, mais en vrai, je... Ah! Au pire, je vais préparer un champ. Parce que vu qu'on va arriver au printemps bientôt, peut-être préparer un champ spécifique pour le kawa qui va tourner pendant 2 saisons. Et ensuite, on pourra le remettre, si on veut, dans la serre. Et vu que là, les 2 saisons de kawa, elles vont arriver, ce serait con de le laisser dans la serre. C'est bon, dans l'évolution de confiance. Bah... C'est au fur et à mesure, t'essaies d'être de plus en plus à l'aise. Hein. Heureusement que ça s'améliore. Mais bon, c'est comme tout le monde, hein, comme tout le monde s'améliore au fur et à mesure. Hein. Quand tu regardes mes streams il y a un an, la cam elle était dégueulasse. Hein. C'est ça, c'est comme, même si ça n'a rien à voir avec la confiance, mais ça veut dire, voilà, ça montre qu'on s'améliore toujours. Quoi. Ah oui, c'est vrai que le dino, merde. Bah écoutez, dès que je rentre. Hein. On va faire un peu différent pour ce dino là. On va essayer de faire d'une autre manière. Le blé c'est quand aussi? C'est au printemps? J'aimerais bien aussi peut-être faire ça, ouais. Mettre des graines de blé à pousser dans le champ, enfin dans la ferme. À côté du... Enfin ouais, à côté du cours d'eau que j'ai... Enfin du cours d'eau. Du ruisseau que j'ai à côté, ça pourrait être pas mal. Ah, ça y est, tu as commencé? Ah, ce chat. Ah ouais. Ah putain, mais encore l'épée de ses morts, c'est bon. Ouais, je suis à côté de la guilde, ce serait con de pas la revendre. Il faudrait des omnigéotes quand même. Hein. Parce que de base, je suis quand même venu là pour ça. Hein. Et pour le faire aussi, certes, mais... Le blé c'est automne. Oui, je sais. Mais j'ai pas envie de planter de blé à la montre. Je parlais du café et du riz là. Puis le blé, bon. C'était marrant à voir, mais balèque. Hein. On va être bien un moment. Ah bah peut-être un lapsus, ouais, du coup. Sinon en blé j'ai pas besoin maintenant. Le blé c'était bien pour conserver... En fait le blé ce sera bien pour conserver les champs d'une saison à une autre. Mais sinon... Rompiche hein. C'est lui qui a tout.
Alors, petit disclaimer évidemment, parce que là vous allez sûrement entendre mon chat en fond. Je vous rappelle évidemment que Lilith va très bien. Elle n'est pas maltraitée. Là, elle miaule parce qu'elle voudrait sortir dans le couloir de mon bâtiment. Mais non. Donc elle va miauler un peu en fond, vous allez l'entendre. Mais vous inquiétez pas, elle va très bien, je peux vous l'assurer. Elle est relou. Voilà. Donc si vous entendez Lilith miauler en fond, vous inquiétez pas, elle va bien. Comme dit, elle veut juste sortir dans le couloir de mon bâtiment. C'est tout. Ne vous inquiétez pas, elle va s'arrêter un moment. J'espère bientôt. J'ai encore le record de Lilith. Oui, mais on l'entendait quasiment pas quoi. Ah, une omni-géode. Il m'en faut 3. En fait, elle sait que si elle force, au bout d'un moment, je vais céder. Elle le sait. Parce que je suis quelqu'un de faible. Mais justement, là maintenant, faut utiliser la stratégie inverse. C'est-à-dire ne pas réagir quand elle réclame. C'est dur. Mais ça passera mieux comme ça. De toute façon, j'ai beau l'engueuler, j'ai beau la punir et tout, elle comprend pas de toute façon. Donc le déni. On va dire le déni ou le faire semblant de ne pas l'entendre est la meilleure solution contre Lilith. C'est très triste, je suis d'accord. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée qui marche. Et vu qu'elle est têtue et qu'elle lâche pas le morceau si vite, ça peut durer longtemps. Je crois qu'elle a arrêté. Tout va bien. Non, elle a pas été si chiante. Pour ce coup-là. Bon, bah, on a trouvé une omnigéode sur les 3 dont j'ai besoin. C'est pas fou. Ah non, elle recommence. Ils sont chiants à réclamer des omnigéodes au moment où j'en ai plus aussi. Ça, j'en ai tellement de la sève. Hein. Ça devient débile. Bon allez, go partir de là. Oh, je suis bientôt niveau 10 en combat. Est-ce que j'irai pas taper les mobs de la carrière là? Parce qu'en vrai, il y en a plusieurs et j'ai l'impression qu'ils pexent bien. Après, il est déjà 1h du matin. Non, on va pas forcer la lock. Vas-y, go repartir. Mais pas le dino. Bah, on va le faire demain le dino. Hein. De toute façon, c'est pas pressé. Hein. Il prend plusieurs jours, mais tant que tu vas pas le voir, il éclot pas de toute façon. Bah, là, vu l'heure qu'il est. Si, je peux y aller. Oui, bah, fais la belle, vas-y. Hein. Vas-y, hein, fais la belle. Hein. Ça changera rien. Hein. Ouais, c'est bien pour vous que je fais ça. Hein. Bon, comment on va s'y prendre pour celui-là? Non, on a dit qu'on changeait la stratégie. Comment on va s'y prendre pour celui-là? Je vais vous poser une question. Celui qui trouve la bonne réponse sera la personne qui sera prise. Ah, pour les autruches, Léa, faut que j'accède à l'île tropicale. Une question que tout le monde peut avoir en vrai. Devant combien de spectateurs Gwen et Afi ont soulevé la coupe samedi soir? Tout à fait. Ah, c'est bon, il y a eu en effet. J'ai pris la valeur que Zera a dit, il a dit 200 000, c'est Alphelosia qu'il a eu. Faut pas que je fasse de faute. Voilà. C'est Alphelosia qu'il a eu. Witsensei qui aurait pu l'avoir, mais 300 000 c'était un peu trop. C'était un peu trop. Voilà. C'est combien déjà de résidents là-dedans? Je me souviens plus. Le premier juste avant, non? Non.
Non, non. Non, pour moi, c'est Alphelosia. Ah, pour vous montrer au cas où... attendez. Pour aller faire n'importe quoi. Voilà. Pour vous montrer hein, quand même que je ne mens pas, hein, c'est... Pour moi, c'est Alphelosia qui l'a eu en premier. Voilà. Au moins, on est legit. Dans mon chat, on a vu Witsensei qui a dit 300 000. Et c'est Alphelosia qui a dit 200 000 en premier. On reste évidemment FC honnête ici. On reste courtois comme Thibaut. Parce que moi je me vois avant. Ah bah ça après oui, ça, avec les lags de d'apparition des messages, oui sûrement. Mais pour le mien en tout cas, malheureusement tu étais deuxième, je suis désolé. Désolé. Bon bah, dodo hein. Il est 1h10 de toute façon. 12 plus gros pulaillé. Putain, on peut faire 12 dinos, tu es en train de me dire. Waouh. Waouh. Ça fait beaucoup de dinosaures. Le petit crâne, faudra que j'aille le déposer chez Counter. Tout comme la pointe de la... Enfin, la biface préhistorique. Oh putain, mais le nombre de vers. Bleu. Et bam! Plein de minerais partout, on met ça aussi, bam. La graine de Kawa, on va la garder. On la garde ou la plante? On va peut-être la planter. Oh, quoique non, ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant. Le blobfish! C'est l'heure de mettre le blobfish dans le bain. Allez, ça part. Allez petit blobfish, tu es chez toi. Hop. Non. Non. Tout va bien. Eh ben c'est parfait. Ah, une missive. 5 courroux rouges. Eh ben mon salaud. D'ailleurs ça produit quoi? Mama. Mais what, ça donne tellement. Du coup on a le bigorneau pour les saumons. Parfait. Sweep. Et comment ton épée? Alors cette épée là tu l'as en ayant une pierre prismatique, une gemme prismatique que tu amènes dans le désert à un endroit spécial. T'en dis pas plus pour pas spoil, mais tu l'as dans le désert. Le tesson, c'est ça, pardon, j'ai oublié le terme, c'est le tesson prismatique, oui. C'est quoi un panini UHC? Alors en fait c'est un sandwich dans lequel tu cales... non c'est pas vrai. C'est un UHC fait en coopération avec Panini, la marque Panini, que Guild a fait en coopération avec eux. Il a pas l'air Asmodus dans sa tour. Je sais que beaucoup de choses viennent à l'esprit quand on entend sorcier, mais il pourrait te surprendre. Mais je veux la clé bordel moi, je m'en fous du sorcier. Oula. Et beaucoup il a juste payé. Hein? Comment ça? Un. Deux. Il y en a tellement. Trois. Quatre et cinq. Let's go. C'est un UHC où tu as un sandwich. C'est ça. En fait c'est un UHC où tu dois préparer des sandwichs panini. Les passer dans la machine à gaufres pour les écraser, les chauffer. Et quand tu les manges, tu auras des bonus spécifiques. Si t'as fait un panini au diamant, t'auras résistance, soit ce genre de conneries. Putain, le jour où ça existe vraiment, je veux le faire si tu achètes. Voilà, je me suis fait un petit panini directement. Eh ben, au steak finalement, c'est très bon. J'ai faim maintenant, quel enfer. J'aurais pas dû dire ça, j'ai faim maintenant. L'erreur du joueur français, l'erreur. C'est Philos qui a payé pour avoir ça. Oh putain, je cours. Ah non, commencez pas vos conneries. Hein. Petit panier de notre chapeau, bien sûr. Mais putain, mais je veux des... Putain!
Vas-y, on va lire les bouquins. Voilà, moi j'ai lu les bouquins, je suis content, je suis très cultivé actuellement. Plus 2 en intelligence. Hop, plus 8. Secret des poissons légendaires. Les poissons... Oui, mais je sais, je les connais tout ça. Oui, mais je connais ça aussi, le cristallarium. Cher brasseur, la riche odeur du... Oui. Les nains s'appellent eux-mêmes Small Agnu, oui. Résumé du livre de Yoba, oui. Guide du mariage pour les fermiers, oui. Le pêcheur acte de Gorgi raconte, oui. C'est bon, je suis cultivé. Putain, ça fait plaisir d'être cultivé là. Béni, on sait déjà, c'est Vincent à la bibliothèque plusieurs jours par semaine. Est-ce qu'il faut augmenter son amitié avec lui? Avec Gunther? Qu'est-ce qu'il aime bien, Gunther? Padam, padam, tadam. Il est mort, rien. On peut pas lui faire de cadeau. Ok. Ah si, on peut. Merci. Oh, le merci point. Merci. C'est vraiment la seconde année. Non, non, là, on est à la fin de la première année, là. On va arriver à la deuxième. Non, justement, on y arrive. On y arrive. 2 secondes. Faudrait que les égouts ça marche pas comme en vanilla, je crois. Ouais, mais il me semble, oui, mais non, mais me dis pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Les autres dinos, oui, faut que j'en mette, hein, c'est vrai. Ah, ça y est, tu viens chercher les câlins à la source. On va rester là 2 minutes. Attention Alice, hein, je te connais. Hein. Oh, ça va les petits dinos, ouhou, ça va les dinos, ouhou. Oh, ils sont tellement ouhou. Oh là là. Ils sont si ouhou les petits dinos. Tellement plus avancé que moi, c'est incroyable. Bah après, je connais, j'ai déjà fait le jeu, donc je connais. Ça va. Hop là, voilà, elle est déjà partie. Donc 5 coraux pour les étoiles de mer, c'est ça? Allez. Le poisson semble heureux. Bah t'as intérêt, connard. Pardon. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Oh, le caviar! Pff, vivement qu'on monte la pêche niveau 10, que je vende ça plus cher. Est-ce qu'il y a une fin au jeu? Bah tu peux faire un 100% mais ça te terminera pas le jeu, tu pourras continuer à jouer mais t'as plutôt des objectifs à compléter on va dire. J'aime bien les parchemins. Comment ça les parchemins? C'est-à-dire les parchemins. On va aller vendre ça. Genre ça? Non c'est du tissu, ouais, enfin non pas le tissu. Les trucs vert, bleu, rouge, jaune. Ah les parchemins de nains, d'accord. Ah intéressant. Intéressant. C'est un truc simple à avoir en plus. Niveau résine de chêne, j'en suis où moi? Parce que c'est vrai que j'en ai 3 sur moi là je vois mais... Genre ça là, il aime bien ça quoi. Est-ce que je ferais pas d'autres tonneaux? Oh, ça va partir hein. Non, on pourra faire 5 tonneaux, parfait. Parfait cette histoire. Hein. Tonneau c'est bois, cuivre et du coup bah résine de chêne. Pas du tout. Ah, et lingot de fer. My bad. My bad. Boot, boot, boot. Boot, boot. Let's go. Le vin de canneberge, bien sûr. Hein. Ah, ça vaut cher, hein, dis donc. Non. Fossile d'oxys pour accéder à Sino. Il faut tous les...